Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Mevei Taiga. C'est parti 21. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, on se retrouve après l'introduction. C'est parti, let's go! Donc là, je suis toujours dans le poste d'observatoire qu'on a découvert lors de la dernière vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer d'attirer un ours brun. Il y a un ours brun qui a répondu à la peau, mais il se fait vachement désirer le pépère. Va pas être bien loin là. Là. Mais là, c'est la femelle. Eh ben, la femelle est tombée. Et je m'attendais pas à ce qu'elle arrive derrière, hein, en sachant que le mâle était par là, là. Donc on va sortir, on va aller la chercher. Organe vital touché. Propre, propre. On va recharger l'arme et on va prendre le fusil de chasse au cas où qu'on rencontre le mâle. Comme ça au moins s'il me tombe dessus, s'il me tombe dessus, j'ai de quoi l'accueillir. Ouais, elle a pas fait long feu, hein. Mais alors, par contre, j'aimerais bien savoir où est-ce que je l'ai touché, parce que vu que je l'ai tapé d'une position où j'ai pas l'habitude du tout d'atteindre les animaux. En général, je tape du bas vers le haut, et là, j'ai tapé du haut vers le bas. Ah, ça a quand même touché le poumon, hein. Chair, vertèbre thoracique, poumon droit. D'accord. Et je l'ai en argent. Bon, c'est plutôt pas mal. En plus, elle est toute belle. Mais bon, comme vous le savez, hein, comment dire, pour ma loge, je n'empaille que les animaux en or. J'en ai empaillé en argent, hein. J'en ai empaillé en argent, genre, je crois que je dois avoir un lynx, il me semble.
Pardon, excusez-moi pour ce bâillement. Il y a eu un petit porte-mux. Porte-mux? Mais bon, j'aurais préféré quand même avoir le l'ours mâle, hein. C'est vraiment chier que j'ai pas eu l'ours. L'ours mâle. Ça, c'est un cri d'avertissement. Toujours pas réussi à choper de loup, hein. À mon grand regret. Bon, ça va peut-être changer finalement. Hein? Un petit loup gris? Bien, mon petit loup, prends d'une cartouche. Alors, t'es où? Oh. J'ai vu qu'il y avait un repérage là-bas. Il devrait pas être très loin là. Putain. Oh, c'est la merde, les amis, c'est la merde.
Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore! Amène-toi! Recharge vite, recharge très très vite. Oh, oh là 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 là! Ça les amis, j'espère que vous le voyez bien et que vous allez bien le voir à la vidéo. Parce que là là... Attendez, j'ai reçu un message. Je savais pas combien ils étaient et je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux et qu'ils m'attaquent tous. Ah, c'est pas grave. Femelle, très facile. Crâne, crâne, ok. Y a pas de problème, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on soit toujours debout. Ah ouais. Ah là, là, c'était chaud. Hein. Ah oui, lui, c'était... D'accord, ok. Le premier, lui, c'était le premier, lui. 1424, les amis. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Hein. Ah ouais. Bon, du coup, on en a récupéré combien là? 4, 5? Je sais même plus du coup. Ah ouais, là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. S'en être sorti aussi bien là. Alors, il est où le dernier là? Ah, je suis pas sûr d'être prêt pour un nouvel affrontement là. Hein. Là, ça fait plaisir. Là, c'est des moments uniques, vraiment. Ouais, alors toi, hein, l'élan, va jouer aux billes. Hein. Va jouer aux billes. Là, ça, c'est des moments qui font vraiment plaisir parce que, du coup, on a l'adrénaline qui monte. Et même si ça reste un jeu, quand même, quoi. Ah bah il est tombé là. D'accord. Oh! En mythique. Eh ben, vous voyez, vu que c'est en argent. Je vais quand même le garder parce que c'était un mythique quand même. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très content là pour le coup. Hein. C'est vraiment superbe.
Là, en plus, on arrive en pleine nuit, les amis. Je t'ai demandé de changer de carabine, toi. Voilà, le tétra, je le verrai pas. Oh, mais je te vois pas. Donc écoute, hein, si tu veux me... Ah si, je le vois. Le salaud. T'es mort, t'es mort. Bah oui, quand même. Eh oh. Ah, tu me la mettras pas à l'envers, celle-là. Oui, un autre mâle tétra en or, les amis. J'aime beaucoup. Allez, hop, c'est empaillé. Eh, 1156, hein. Franchement, je l'aime bien, cette petite zone-là. Entre les loups qui vous attaquent en meute, les tétras qui vous chargent. Eh, n'empêche, les tétras, ils ont quand même des... Hein, je peux pas dire le mot parce que c'est trop vulgaire, mais... ou alors, sinon, je dis, ils ont des burnes, hein, vraiment. Hein, ils ont vraiment des burnes, hein. Parce que... Les tétras qui sont tout petits, vous, vous êtes très grands par rapport à eux. Et ils viennent vous charger comme ça, là. C'est beau. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Oh la vache! Ah ouais, et là c'est une structure de chasse, les amis. On essaye d'appeler les loups vite fait. Voir s'il y a des loups qui nous répondent. Loups, des ours, hein! Par contre, faut que je sois un peu patient parce que si jamais effectivement il y a des loups qui ont entendu la peau, qui répondent à la peau, qui se déplacent jusqu'à ma position sans faire de bruit, et qu'au moment où je short, ils sont là, il va falloir que je sois rapide. Hein. Moi qui me plaignais que j'avais pas réussi à avoir de loup encore. Vous voyez? Suffit d'être patient. Puis là, vu le nombre de loups qu'ils étaient, c'était soit eux, soit moi. Hein.
J'entends comme des pas à côté de moi, surtout quand je suis plus en visée. Là, pour le coup, je flippe vraiment de sortir. Allez, on prend son courage à deux mains, on prend ses jambes à son cou et on se casse. J'entends des pas autour de moi. En fait, j'ai encore l'adrénaline et la violence de l'attaque des loups là que j'ai subi. Parce que franchement, c'est la première fois que. C'est pas la première fois, si vous voulez, que j'ai un contact aussi rapproché avec des loups. C'est pas ça du tout. Mais c'est la première fois que je me fais attaquer par des loups en meute. C'est la première fois qu'il y ait autant de loups qui m'attaquent en même temps, en fait. C'est ça qui m'a choqué, enfin qui m'a frustré, vraiment.
Bon, et alors? Ouais, porte-muscle. Et là, le truc, c'est que s'il y en a d'autres. Bon, t'es un élan, ça va. Grande tétra. Inspecter, ok, ça c'est bon. J'aurais bien voulu aller là-bas vu qu'on est toujours dans la zone de jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on a le. Oh là là. Attendez, je regarde un truc vite fait. Je regardais le temps qui nous restait, les amis. Ouais. Normalement, il devrait pas être très très loin des traces. Est-ce que ça serait toi qui es là-bas là? Le problème, c'est que le lynx d'Eurasie. C'est l'autre à peau et moi j'ai la peau pour les ours et les loups. Alors, si j'utilise la peau noire pour attirer le lynx et que c'est des loups qui répondent et que j'ai pas le temps de me préparer au combat, là je risque de mourir. Et ça ne serait que justice après le carnage que j'ai fait. Bon. On va aller jusqu'à l'avant-dernier point, les amis. Ouais, mais t'es loin là, pépère, t'es loin. Quand même, arrête. Je sais que tu veux me faire peur, mais là, faut pas exagérer. En plus, je m'éloigne de toi pour te foutre la paix et te laisser tranquille. Alors là, il y a un tétra et un porte-mux. Touché. Ah, malheureusement, je l'ai pas fait bien mal là.
On va regarder vite fait. Si elle tombe, tant mieux. Si elle tombe pas, tant pis. Après, je vous cache pas que je préférerais qu'elle tombe, hein. Pas l'air de vouloir tomber, la mère, hein. Allez, tomber. Bon, alors là, par contre, je n'ai pas le chien avec moi du tout, hein. Donc, il va falloir que je me débrouille. Ouais, aucun organe touché à l'instant. Donc, oui, elle est bien tombée. Mon avis, elle a dû aller un peu loin quand même. Ouais, un élan, on s'en fout. Ah, ça galope, hein. Ah, 0,25. Donc normalement, elle devrait plus être très loin. C'est bon, je la vois. Ah oui. Ah oui, je lui ai vraiment pas fait mal du tout, hein. Je l'ai tapé dans la chair. Franchement, pas génial, génial, quoi. C'est un animal. Oui, bah c'est bon, ferme-la. Dommage. Ah, quoique. Alors, est-ce qu'on va se taper l'élan? Alors, tu viens ou tu viens pas? J'aimerais bien taper l'élan avant de vous quitter, les amis. Je savais pas qu'on pouvait se coucher dans le... dans l'abri. Je pensais que la position couchée n'allait pas pouvoir être faisable parce que manque de place. Ouais, mais il y a eu un mâle qui m'a pris la tête juste avant d'arriver. Et maintenant que je décide de le chasser, réponds plus, cet abruti.
Ouais, non, mais t'es loin, ma mère. Elle est mignonne, elle. Allez, on va attendre un petit peu. Eh ben, te voilà. Vu le bruit qu'il fait. Amène-toi là, trou de balle! Et pas me dire qu'ils sont en bas quand même. Bon bah je sais pas où c'est qu'il est passé le mal. Pas sûr qu'elle tombe, hein.
Effectivement, elle n'est pas tombée. Ouais, malheureusement, la flèche. La flèche a servi à rien. Ou alors, si elle tombe, elle va aller loin avant de la récupérer. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, les amis, on va se quitter pour aujourd'hui. Pardon. La prochaine fois qu'on va se retrouver pour Mevetaiga, ça sera le gameplay, la phase d'exploration partie 22. Et du coup, pour la prochaine vidéo, je vous propose qu'on reste dans cette zone-là pour toute la vidéo et qu'on essaye de voir ce qui s'y passe pour la fin du mois d'août. En septembre, on commencera à visiter la montagne de Pustaya. Hein? Et par contre, le point d'observation, je vois qu'il est là. Ça risque d'être assez compliqué. Vous voyez la même chose que moi, là, il n'y a pas de zone. Ou alors on partira de là et on ira à ce point d'observation là pour la rentrée septembre. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait. Oh attendez, 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 on va peut-être en tuer un avant là parce que là le pépère il est proche là. Attendez, attendez, on va peut-être pas se quitter tout de suite, on va peut-être attendre un peu. Je l'ai vu passer par là, là. Maintenant, faut qu'il arrive à remonter le pépère. Non, t'as pas trop envie. Bon. Bon, allez. C'est sûr, cette fois-ci, c'est le clap final. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très très vite. Salut, salut les amis.